Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un tutoriel pour apprendre à atterrir. C'est bien beau de savoir découper des P-47, mais savoir atterrir est plus vital encore. Je vais atterrir sur une piste en herbe, donc non bétonnée, et assez courte. Il faudra donc de ma part un minimum de précision quant à l'endroit de l'impact. Atterrir demande beaucoup de concentration et de maîtrise de votre monture. Il ne faut rien négliger car il s'agit d'amener votre avion à une altitude et position donnée à une vitesse donnée. Une bonne approche s'effectue à au moins 5 km de la piste. Commencez par vous aligner sur l'axe de la piste, à environ 800 mètres d'altitude. Coupez les gaz et dès que votre vitesse passera en dessous des 240-300 km/h, sortez les volets en grand ainsi que le train d'atterrissage. Approchez à une vitesse de 200-250 km/h en fonction des avions, en visant le seuil de piste avec le nez. Réglez les gaz pour maintenir la vitesse, vous sortirez train et volet. À 30 mètres au-dessus du sol environ, arrondissez, c'est-à-dire coupez les gaz et redressez le nez de l'appareil de manière à ce que toutes les roues touchent en même temps. Vous risquez de rebondir, ce n'est pas grave du moment que vous ne rebondissez pas trop haut. Attendez que cela se passe. Surtout, faites attention à tout faire avec douceur pour éviter de décrocher ou de plaquer trop vite et trop fort l'avion au sol et de l'abîmer. Maintenant, empruntez le taxiway et dirigez-vous avec votre dérive pour garer l'appareil. Il est important de dégager la piste pour vos autres camarades qui atterrissent. N'allez pas trop vite au roulage ou vous risquez de faire capoter l'avion en freinant et vous aurez moins de maîtrise de votre appareil. Le but n'est pas non plus de redécoller. Je vais me garer là-bas. N'essayez pas de garer votre avion parfaitement dans le bon sens, ce n'est pas nécessaire, c'est aux mécanos et autres de le faire.
Maintenant, coupez le ou les moteurs. Vous êtes maintenant clear for landing. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle vidéo.